73-51, les stations là que j'ai entendu dans le lointain, et Spitfire avec, de la part de Dandy 33 depuis la rocade de Libourne. Ah, c'est pas gagné. Trop devant lui. Hop, mobile. Ah, fait. Ah, ouais, écoute, on va bien voir. Hein. Ah, ouais, parce qu'il y a du monde devant. Hein. Ah, y'a qui? Ah, y'a. Et 73-51, les stations fréquences de la part de Dandy 33 depuis le haut du pont d'Aquitaine. Et il est 6h-20, 6h-15. Ça commence à être bien chargé là sur le pont d'Aquitaine. Bonne journée à tous. Les 73 la belette, comment vas-tu? Oui, c'est moi qui fais le gros bouchon, hachis trois coups. Putain, avec les QRM que j'ai là. Bon, en tout cas, là, 3 matins de suite, 3 après-midi de suite, tu vas pouvoir m'entendre. Hachis, ce soir, quoique ce soir, c'est pas évident. Je sais plus, je dois sortir vers les 17h ou 18h dans ces eaux-là, donc là, c'est pas gagné. Ouais. Mais bon, là, 3 matins de suite, là, tu vas pouvoir m'entendre. Hachis, 3 coups. Je t'entends gazouiller comme un rossignol dans le lointain, j'entends le Roger Bip, mais avec les QRM que j'ai sur le pont d'Aquitaine, ça doit être à cause du brouillard, ça. Hachis. Je te souhaite une bonne journée à toi, parce que là, j'arrive vraiment pas à comprendre ce que tu me dis. Bonne journée, à peut-être à ce soir, si t'es coincé dans les bouchons. Hachis. Ok, à moins que tout à l'heure j'arrive à t'avoir à nouveau, on verra bien, parce que bon là il est 7h moins le quart, je commence pas avant 8h, donc oui, avec la circulation, on est obligé d'arriver de bonne heure. Voilà, je suis en bas du pont d'Aquitaine, peut-être à tout à l'heure, sinon à la prochaine. Ok. J'ai entendu un Roger Bip là dans le lointain, les 73 de Dandy 33 sur la rocade de Bordeaux. Attention à Barracuda 56 pour Dandy 33 qui t'appelle.
j'ai du QRM en plus là où je suis maintenant là. Aïe aïe. Bon bref, il y a du monde sur le canal 10. Ah chier. Oui, le Roger Bip, les 113-51 de la part de Dandy 33 là sur Mérignac. Ok, d'accord, bah t'as pas l'air très loin de moi là, on dirait. Non, je suis dans la grande avenue, la 4, la 2 voies qui monte à Pellegrin. Ah oui, d'accord, là je suis sur Mérignac, du pas très loin, dans le secteur là, des hôtels de l'aéroport, là, entre l'aéroport et la rocade. Ouais, effectivement, vol d'oiseau, on est à deux bons, quoi, pas plus. Ouais, voilà, quoi. Ah, depuis ce matin, là, depuis chez moi, marche prise, là, je fais des tours directs, mais je capte personne. Bah, faut croire que si, parce que moi, tu m'as en fréquence. Ah, chie trois coups. Ouais, effectivement, l'autre jour, j'embauchais un peu tard, mais j'étais écouté avec un routier sur le 4. Bon, je vais pas rentrer dans votre QSO parce que j'allais pas tarder d'arriver. Et le soir, quand je suis rentré chez moi, j'ai eu le bonheur de t'écouter en me garant dans la cour de chez moi en marche prime. J'écoute, attention, les stations de Dundee 33 qui est sur Pont d'Aquitaine, tout est QRO. J'ai dit non, il est sur Pont d'Aquitaine et en marche prime, je l'ai eu. Ah, j'étais content pour une fois. Ah bah t'as loupé ça aussi ce matin, là, tout à l'heure. Quand je suis là, je chie trois coups. Ah, ça passe bien depuis là-haut, hein. Par contre, il y a pas mal de QRM là, quand on passe sur le pont. Hein. Là, dommage qu'il y ait ça, parce que c'est vrai que là, je pourrais entendre vachement loin. Il y a même certains matins comme ça, où ben, c'est les stations d'Angoulême qui vont me répondre. Et là, c'est génial, quoi. Alors, demain matin, ben, ce sera pareil. Après-demain matin, ben, pareil aussi. Voilà, et là je suis en stage là pour les 3 jours de rang. Et je devrais sortir, je devrais reprendre la route aux environs de 17h, 18h, dans cette fourchette-là à peu près. Ouais, moi c'est pareil, que moi je travaille sur Bordeaux, en ce moment là, sur Bordeaux Centre. C'est pareil, moi je débauche vers les 16h, je fais des taux de galette, il n'y a pas grand monde. Hein. Ben, disons que ce qui se passe, c'est que effectivement, beaucoup de. Si, il y a du monde, hein, contrairement à ce que tu penses. Mais les gens restent en écoute. Voilà. Tout le monde fait des tours de galette, ou certains restent sur un seul canal pour dire qu'il n'y a plus personne là-dessus. Mais tout le monde reste en écoute. C'est ça le problème. Et dès qu'on prend le micro, ah tiens, ça réagit, ça d'un côté et de l'autre. Et là, c'est quand il y a 2 semaines, je crois, ou un peu plus. Enfin bon, bref, je sais plus. Le matin, pareil, j'embauchais là sur Mérignac, là, sur un autre endroit, et je me suis retrouvé coincé là dans les bouchons là de sur le pont d'Aquitaine. Bon, du coup, j'arrivais un peu à la bourre. Bon, peu importe, passons. Alors, sur le pont d'Aquitaine, j'avertis tout le monde, justement, là, j'envoie mon petit bonjour et tout, comme à chaque fois, là, sur le pont d'Aquitaine. J'avertis tout le monde que c'est le gros caca sur le pont. Ah, tiens, d'un seul coup, ça a intéressé du monde de savoir exactement ce qu'il y avait, ceci, cela. C'était devenu la cacophonie, comme dans les années 80-90. Là, pendant 5 minutes, c'était la totale là-dessus. Hein. J'ai halluciné. Quoi. Alors, les mobiles, les stations fixes, ça arrivait de tous les côtés. Quoi. Ah ouais, Pierre-Marc, ben moi, des fois, je lance des petits appels et tout, mais bon, le 19, j'en lance pas trop parce que je sais que c'est à l'ancien canal des routiers et que je suis un peu rentré dans le. Tu dois tuer aussi, toi, j'ai remarqué là, dans le 29 au CS School, là. Mais bon, les mecs du haut, là, du nord, c'est pareil. Il y en a un qui est passé samedi, j'ai essayé de faire un QSO avec, mais bon, marche prime l'autoroute de Toulouse, ça n'a pas été évident. On n'a pas pu se capter et j'allais pas le courir après pour essayer d'avoir en fréquence, quoi. Ok, ben pour ma part, je suis partout, hein, de toute façon. Je suis sur ouais, 29 CB School.
Je suis partout, j'ai mon groupe, plus le forum, plus d'autres groupes ailleurs, la planète Sibis en fait francophone, et plus des blogs, plus je suis sur les autres forums, comme Fier d'être routier par exemple. Moi je suis partout, j'ai pas de mode d'utilisation spécifique, j'ai pas de plage de fréquence, je suis partout, je vais partout. La CB nous permet d'avoir plusieurs modes, d'aller partout, et bien je l'utilise entièrement, quoi. Hachi. Je te suis assez fréquemment déjà sur les vidéos là, sur Facebook, que j'ai dû rentrer en ami avec toi, je crois, sur la TV francophone, ouais. Et au départ, j'avais trouvé ton nom et j'avais fait un QSO de toi le tour il y a au moins 3 semaines de ça, là, sur Saint-Médard-en-Jeanne. Et depuis, je te suis, je regarde, et c'est comme ça que l'autre jour, quand je t'ai écouté du pont d'Aquitaine, c'était par rapport à une vidéo que tu avais tournée le matin avec un chauffeur routier, que tu avais remis en route le soir, et j'avais regardé toute la vidéo, et je disais, ce soir, je l'ai écouté. Donc je sais que t'es un peu partout. Hachi, trois coups. Ouais, ça doit être la belette, j'imagine. Eh bien là, si ça te dérange pas, la seconde même, là, je suis en train de faire une petite vidéo. Bon, là, je suis à l'arrêt, donc il n'y a qu'une seule caméra là qui tourne, parce que bon, là, je suis sur le parking là de la boîte, là où je vais être en stage là pendant les 3 jours. Ça sera pas mis en ligne de suite, hein, parce que si je me trompe pas, ce soir, je dois sortir à 18h. Demain soir, 18h aussi, et après-demain, 17h. Ouais, de mémoire, ça doit être quelque chose comme ça. C'est ce que je dois avoir sur ma convocation, je crois, là. Et donc, oui, si ça ne te dérange pas, ben, y a pas de souci, tu pourras t'entendre. Le montage, je pense que il sera finalisé à la fin de tout ça. Je vais certainement faire un cumul des 3 jours. C'est... Enfin bon, tu me dis, hein, c'est comme tu veux, sinon je coupe, hein, y a pas de problème. T'inquiète, moi les vidéos, ça me gêne absolument pas. Au contraire, j'aime bien les regarder, donc moi je m'écouterai pour une fois à la suite. Oui, ben voilà, et tu verras, ça passe bien. Là, par moment, là tout à l'heure, il y a une petite baisse, parce qu'effectivement, t'es en train de rouler, mais là, ça va, ça passe bien. Géographiquement, je me rapproche quasiment de toi, où je suis à l'intersection de Porcelanosa et du garage. Alors attends, j'accélère, je vais passer le carrefour. C'est le grand truc Porcelanosa de Carlas, et le garage, c'est quoi le garage Citroën. Tu vois, t'en veux aussi? Non, pas trop, là je connais pas. Là. Quand tu es sur la rocade de Bordeaux, à la hauteur de Mérignac, tu as un Buffalo Grill là, qui est sur le bord de la rocade. Bon, je suis dans les environs là, de ce côté-là. Quoi. Oui, c'est ça, Fermat, moi si tu préfères, là le port Saint-Nosat que je te parle, c'est quasiment sur ta route, quand tu prends la route de. Comment ça s'appelle de Carrefour, tu t'en vas tout droit en direction de Bordeaux, et un peu plus loin, c'est là où tu as un carrefour avec Porcelanosa, tu as un cuir center, tout est quadrillé dans un seul et même coin. D'accord, ok. Alors c'est vrai que là je connais pas trop là par ici, parce que bon là j'arrive quand même du côté de Saint-Émilion, Castillon-la-Bataille, hein, de ce côté-là quoi. Alors forcément ce côté-ci de Bordeaux je connais pas vraiment quoi. Juste un peu comme ça mais sans plus quoi. Ouais, ce qui fait qu'à vol d'oiseau on n'est pas excessivement loin. Bon, j'ai un peu de sirène qui passe sur temps, mais ça fait peu et pourtant j'ai pas de ligne de tramway et tout. Donc non, sinon ça passe super clair. Oh. Ah bah oui, et puis comme je me doutais un petit peu que tu avais un peu de QRM de ton côté, j'ai avantagé un peu du mien de façon à ce que tu m'entendes un peu mieux, quoi. Bah écoute, moi toi, j'ai repris la CB là, il y a pas mal de temps, il y a un mois ou deux, et je me suis permis de m'offrir un nouveau TX parce que moi j'avais un vieux Midland déjà qui est en panne, et j'avais un vieux de la vieille 40 MSN président de mon père, et donc je me suis acheté un 3009N là, le SS, et je connais pour fin de compte pas toutes ses capacités, donc je suis un peu perdu dans ces nouveaux TX qui sont récents, alors que moi je viens d'une CB, bon, je suis à la même place que toi, quoi, il y a 30 ans en arrière, quoi. Un 3009 récent, tu es sûr de toi? Oui, c'est le CRT SS 3009N.
il n'est pas tout récent celui-là. Il faudra que je vérifie quand même, parce que les 3009, ça doit bien faire dans les environs de 6 ans, je pense. Dans les 5-6 ans par là, il me semble, si je ne me trompe pas, qu'ils ont arrêté la fabrication. Et le dernier sorti, c'était... ça y est, j'ai oublié, c'est le 3009 EL, voilà. Contour chromé et plaque de façade noir brillant. Attends, moi je te racontais une bêtise. Non, c'est bien 6900N, mais je te dis qu'il est récent. C'est inexact. Je l'ai racheté à un civiste qui l'a acheté à Marraine au mois de juillet. Donc il a acheté ce 6900NN et il a voulu le mettre dans sa voiture. C'était vraiment trop imposant. Et donc il l'a revendu là sur le bon coin, et je suis tombé dessus parce qu'il l'avait acheté 170 balles, et il le revendait 120 euros, et il était tout neuf, quoi. Il n'avait jamais servi en fin de compte. 6009, voilà, et non pas 3009. Alors effectivement, 6009, là je comprends mieux. Je vois comment il est. C'est vrai qu'il n'est pas au niveau des menus, c'est un petit peu chinois le truc. J'en ai eu un aussi, 6009. Au fait, je suis en train de regarder l'heure, c'est 8h-20. Ok, bon, j'ai encore quelques minutes. Le 6009, je l'ai eu aussi. Je l'ai vendu sur le salon de Marraine qui cette année-là s'est passé à côté de Rochefort, à Chy. C'est vrai que là j'avais un petit peu de mal avec, comme par exemple le fonctionnement du clarifieur, des trucs comme ça. Donc je l'ai effectivement revendu aussi, moi, le mien, pour avoir à la place le 7009 que tu connais, que tu vois dans les vidéos. Ouais, affirmatif. D'accord, ben c'est génial ça. Ah oui, ben t'as raison, j'ai bien essayé moi d'équiper le push de l'YL de CB. J'ai tout essayé, hein. J'ai essayé les câlins, j'ai tout essayé, que ça marche pas. Ouais, au moins l'YL, moi, elle a fait de la module avec moi il y a une trentaine d'années. Comme ça, moi, elle pourrait me surveiller, je suis trop cool. L'YL, tu lui offres un voyage par... Attends, deux secondes. J'ai un truc à... ça doit être mon téléphone là, qui a réagi. Bon, c'est pas grave, de toute façon. Tu lui offres un voyage. Et pendant qu'elle part en voyage, tu installes l'antenne. Puis bon, une fois installé, une fois que c'est fait, et puis voilà. Je suis un peu coincé où il n'y a personne, quoi. Parce que si je veux attraper un peu Bordeaux, je pense qu'il faudrait...
pas un équipement un peu supérieur et surtout une grande antenne sur la maison, quoi. Ouais, il faut une antenne bien dégagée. Et puis suivant ce que tu as autour et tout ça, s'il y a du relief, ceci, cela, faut pas prendre n'importe quoi. Comme par exemple, si tu es dans une région qui est assez vallonnée, un truc comme ça, que tu prends genre 7-8e, effectivement ça va pas le faire. Va plutôt falloir du genre 2 millions ou quelque chose comme ça. Si tu es dans un endroit qui est relativement plat ou juste un peu vallonné sans plus, une 5-8e sera nickel. Si par contre tu es carrément à la montagne, là il vaut mieux taper du côté des quarts d'onde. Là, ok, comme ça, bah, toute une question d'angle de rayonnement de l'antenne, quoi. Ben, si tu connais, je suis extrêmement très bas, puisque la Gironde est très bas, hein. Si tu connais, tu as dû en écouter parler, c'est le petit village de Croix-d'Ars, c'est là où a été implantée pendant la guerre la première antenne radio de France pour avoir les Américains. Et c'était une antenne qui était immense parce que Croix-d'Ars étant le point le plus haut quasiment de la Gironde qui se tape à plus 60 mètres au niveau de la mer. Et donc moi je suis dans la descente en fin de compte. Donc j'ai ce but de 60 mètres par rapport à Bordeaux qui est à 10 ou 20 mètres de haut. Et après moi, marche prime, je suis à 40 mètres. Donc je suis juste à ce point haut qui ne devrait pas poser problème, je pense. Un point haut, ouais, une 5-8e bien mis et bien placé sur le toit, ah oui, ça devrait le faire, hein. C'est, tu fais comme ça, trois coups, tu lui offres un voyage, et pendant qu'elle profite bien de son voyage, qu'elle soit bien contente et tout, ça, tu te dépêches de mettre l'antenne en place, achis trois coups, je déconne. Par contre, là, je suis en train de voir l'heure. Il va peut-être falloir quand même que je me rapproche, que là il est 8h moins le quart passé. J'ai rendez-vous à 8h. Bon, on va peut-être faire que s'occupe des papiers, tout comme ça avant ça. Ça me fait chier, je retournais à l'école, on va dire, entre guillemets, comme ça. J'ai toujours détesté ça, quoi. Alors déjà qu'à l'école, j'étais plutôt de ceux qu'on mettait au fond de la classe. Là j'ai 54 ans, j'ai pas changé depuis. Les choses ne se sont pas améliorées depuis de ce côté-là, quoi. Bon, la fois que j'y aille. Donc pour la vidéo, ce ne sera pas mis ce soir en ligne. Non, j'aurai pas le temps, hein, parce que là, le temps de rentrer, là, il faut que je traverse tout le département là, pour rattraper ce qu'en limite Dordogne. Je ne sais pas à quelle heure je vais arriver. À la limite, le seul truc que j'aurai le temps de faire, c'est vider la caméra là, sur l'ordinateur, et puis c'est tout, quoi. Ça va s'arrêter là. Hein. Donc, je vais faire comme ça, je vais ramasser, je vais faire là sur les 3 jours, et je ferai un groupé de tout ça. J'ai aucune idée de combien de temps la vidéo va durer, mais on s'en fout. Il y en a qui aiment les vidéos longues, et ben ceux-là, ils seront contents. Comme là, dernièrement, juste un aller-retour chez moi à Mérignac, je me suis retrouvé avec 1h18 de vidéo. Bon, là, j'espère ne pas aller au-delà de ça quand même. Et je continue à parler. Je te laisse, les bottes sont 1351, il faut que j'y aille. Et merci pour ce petit QSO. Ok, pas de problème, les 73 à toi. Si moi j'aime bien les longues vidéos, la dernière de Belette, là, celle que j'ai dit que je t'avais écouté le matin, je l'ai regardé du début à la fin. Donc, pas de soucis. Allez, bonne journée à toi et à la prochaine. Ok, justement, tiens, puisque tu parles de la Belette, ça y est, je suis en train de... ça me revient. Une fois la Belette, il m'a parlé de toi, justement, pas de toi, toiture, de toi, toi, Hachi. Justement, c'est vrai, maintenant, ça me revient. Il m'avait dit qu'il avait été de ton côté, là, ou qu'il m'avait parlé de marché prime de ce côté-là. Maintenant, ça y est, ok, je sais qui tu es, il n'y a pas de problème. Allez, les bonnes soirées, 13:51 à toi, et passe une bonne journée. Et ben, peut-être en fin d'après-midi, début de soirée, ou demain matin, même créneau horaire. Ok, ça sera la surprise, on verra bien. Ok, merci, bye. Ouais, ok, pour la Belette, je doute parce que j'ai jamais modulé avec lui, donc je pense pas qu'il me connaisse. Et quand j'ai des appels sur Marche Prime, personne ne répond généralement. Moi, idem, pareil, demain, je décolle à 7h Marche Prime, je travaille sur Bordeaux au même endroit qu'aujourd'hui, donc j'aurai le même créneau horaire.
Ok, d'accord. Bon, bah, ça doit être quelqu'un d'autre, alors, ça marche. Ok, bonne journée à toi. Merci, bye bye. Ok, demain, allez, ciao, bye bye. Ciao. Eh ben voilà. Attention, la belette au Nico pour Dandy 33 qui vous appelle. Oui, la station qui a lancé Allo Allo, le 73 de Dandy 33 là, en mobile. Alors, pas loin de la sortie 7 là, sur la rocade de Bordeaux. Ah, bonjour, oui, je te reconnais. Ah oui, ça va, là, je suis sur la route, là, sur la rocade de Bordeaux, là, au niveau de la sortie 7. Je suis en train de rentrer chez moi. Ok, bon, j'ai un petit peu de mal à te sortir là de mon côté, là c'est un petit peu compliqué là, puis en plus de ça j'ai un peu de QRM et beaucoup de circulation. Ouais, alors je t'ai reçu par intermittence. Ok, j'ai compris que tu rentrais dans le bourg, c'est tout. Puis après, à bientôt, 73 à bientôt. Ouais, c'est tout ce qui est passé, là, en gros. Ok, pas de problème, les 73 à toi, bonne soirée, 212 au QRA. Les stations fréquences de la part de Dandy 33 depuis le haut du pont d'Aquitaine. Et côté circulation, c'est pas mal chargé hein, sur le pont dans les deux sens, surtout dans le sens de la montée. Mais bon, ça roule quand même. Ok, j'ai bien reçu, enfin bien reçu, qu'est-ce que je raconte? Ok, j'ai eu pas mal de QRM, j'ai eu un peu de mal à te sortir, les 213-51 retournés. Ouais, 213-51, de barrage 256. Oh putain, c'est toi mon ami, je suis content de t'entendre. Ah ben justement, je suis en train de faire une petite vidéo, je vais faire, là j'ai 3 journées à faire. Et je vais cumuler là le tout là pour faire une salle et grosse vidéo. Donc là c'est génial, tu es dedans, tu es dans la boîte. Wow, formidable, formidable. Bah, 73-51 aux écouteurs. Et à ceux qui vont regarder la vidéo, là je suis du côté de Palouest. Eh ben t'es, moi je viens de passer là le. Bon ben comme t'as entendu le pont d'Aquitaine, là je suis à Lormont entre le radar et la sortie 2, là, la sortie Lormont, là je suis entre les deux. Ok, mais tu viens de sortir du pont là où tu me trouves? Ah, je suis en stage en ce moment. Là j'ai 3 journées à faire. Ah ton âge? Ah ouais, t'en fais encore des stages, ah si. Ah, ça me fait chier, je retourne à l'école. Voilà, c'est les nouvelles normes pour avoir de la carte professionnelle, c'est ça? Ouais, et puis les réjouissances, c'est qu'à chaque renouvellement de la carte professionnelle, il faut refaire le stage. Ah, je suis content, moi.
Ouais, bah c'est un petit peu comme nous, quoi. Ouais, ouais, bah de toute façon, c'est pas bien différent, hein. Ouais, t'as bien, c'est sûr, t'as raison. Hein. Ouais, là, je suis sur la bretelle d'accès vers la rocade est. Ok. Bah là, ça va, hein. Moi, tu vois, j'ai remis le 9009 en route, là. Vu que le RCI, pour l'instant, il est HS. Ah, d'accord, je vois. Le problème du vieux matériel qui a fonctionné un petit peu, peut-être un mois, et puis pas frido, c'est ça? Ouais, c'est qu'il a même pas fonctionné, en fait il donnait trop de puissance. Donc là j'ai donné à quelqu'un là, qui va s'en occuper là, sérieusement. Ok, d'accord. Ouais, de ton côté j'imagine. Ouais, affirmatif. Ok, d'accord, putain, ce bordel là que j'aperçois devant moi, là, à la hauteur des stations ISO, là. Oh, ah ben là, tout le monde tombe à l'arrêt, quoi. Bon, en même temps, c'est Bordeaux, hein. Oui, voilà, comme je dis à chaque fois, du Bordeaux sans bouchon, c'est pas du vrai Bordeaux. Voilà, c'est ça. Comme Paris, quoi. Je sais pas, il doit avoir un... Du personnel qui sont payés pour créer des bouchons. Excellent, gars. Il devrait bien payer quand même, hein, pour créer des bouchons de midi à 18h. Hein, il devrait bien payer. Hein. Putain, et même le matin, c'est pareil. Hein, puisque là, t'as vu la dernière vidéo que j'avais fait comme ça en mobile. 1h18 de vidéo, juste un aller-retour au boulot. Ouais, c'était à l'aller comme au retour, de toute façon, c'était pas mal chargé. Hein. Et, très chargé même. Là, je vais essayer de faire un truc un peu plus réduit, quoi. Mais sur 3 jours. Hachis, ça va être compliqué, là. Tu m'étonnes. Ça m'étonne, t'es pas allé en moto, là. Il fait beau, là. Attends, devine pourquoi. Ouais, enfin, il fait beau, oui, t'as raison, il fait beau, mais il fait frais, quoi. Et vu où j'habite, jusque là où je vais, là, sur Mérignac, ah, ça me fait bien dans les 65 km. Oui, ouais. Alors, en moto, j'ai le temps de congeler. Et en moto, j'ai pas la CB. Ouais, je me doute bien, oui. bonhomme de neige à la fin de la route, Hachis. Putain, tu m'étonnes. Surtout que là, il y a eu un collègue qui lui est venu en moto, mais bon, il n'est pas aussi loin. Il est quand même arrivé congelé. Hein. Oh bah oui, tu m'étonnes. Oh bah j'en connais un aussi, moi, chez nous, là, c'est pareil. Il est routier, mais il est en boulot tous les jours en moto. Là. Alors je sais pas comment il fait, parce que vu qu'il part la semaine, je sais pas comment il fait au niveau de ses affaires. C'est mystère boule de gomme, parce qu'il vient tout le temps en moto. Ah, ouais, d'accord, il doit avoir la machine à laver avec lui. Je sais pas, mais bon, il part avec rien, quoi. Ouais, on va essayer de pas chercher à comprendre, ça vaudra mieux, quoi. Ouais, affirmatif. Et puis les pouches, là, qui avancent à rien, là. Déjà, nous, on est limités, et puis eux, ils avancent à rien, là. Putain. Ouais, t'es coincé, là, où tu es, là. C'est ça? Ah, juste... Juste un, là, qui fait chier tout le monde, en fait, là. Mais sinon, ça avance, hein, mais lui, il fait chier tout le monde, quoi. D'accord, ben là je suis rendu à la sortie 26. Voilà, pour attraper ensuite la direction Libourne. Tu devrais déménager, non? Tu devrais venir sur Bordeaux, aussi. Ben justement, on y était avant sur Bordeaux, mais en appartement, en location. Et le jour où on a vu que les loyers commençaient à devenir aussi chers que les crédits maison, eh bien, on a dit stop. Et heureusement, parce que là, je dois être à quoi au niveau crédit maison? À environ 600, ouais, bon, bref, j'arrondis 600 euros par mois. Le loyer, là où on était avant, s'est rendu à 700, même un peu plus. Alors, tu vois qu'on est quand même encore gagnant. Ah, bah, c'est clair, hein. En même temps, il faut réfléchir avant de louer, de prendre quelque chose en location. Moi, c'est ce que j'ai fait, c'est pareil, hein. J'ai calculé la location et ce que je devais payer en achetant, bah, on a acheté, hein. Il n'y a pas photo. Bah tiens, tu m'étonnes. Bon, au-delà du fait qu'on est vraiment chez nous, quoique...
on est chez nous, oui et non. Hein. On est quand même locataire de la banque et de l'État, hein, quand même. Hein, parce que quand tu vois que pour certains trucs, il faut quand même des autorisations, ceci, cela. Enfin bon, bref, on va dire qu'on est chez nous. En dehors de ça, c'est sûr qu'en étant propriétaire, ben, tu payes moins cher par mois que, qu'en étant locataire. Hein. Ah bah c'est clair. Et puis moi j'ai pris 3000 mètres carrés de terrain, donc au moins les huissiers, je peux les enterrer comme je veux, quoi. Ah si. Ouais, et puis pour peu que t'aies que tu aies quelques sacs de chaux vives, c'est bon, ça part tout seul. Et puis ça fera de l'engrais au bout du compte. Ouais, mais je vais peut-être prendre des cochons, ça va partir plus vite. Merde, attends, putain, j'ai le feu qui est passé au rouge. Du coup, d'un déconnette, j'ai failli le griller. Ok, feu rouge. Ah, bah celui-là qu'il y a devant moi, c'est-à-dire en haut là, de la sortie 26. Avant d'attraper la voie rapide, la direction Libourne, la nationale 89. Ah ouais, ok, ok. Je viens juste de passer en fait la sortie 26. Putain merde, j'ai pas vu que tu m'arrivais plein pot. Quoi. Tu vas dire, t'as attrapé la rocade, c'est ça? Voilà, bah là je m'en vais sur Toulouse. Ok, donc tu descends vers le sud. Eh ben moi je suis juste, ben, je suis juste ouais, derrière toi en haut quoi. Ah ouais, je confirme, oui. Maintenant t'es derrière moi, oui. Mais c'est vrai que t'as un anti-grave là, dans ton sens. Putain, mais ah oui, d'accord, donc juste avant ça, t'étais sur la sortie, sur la Nationale 89, et t'as attrapé la rocade, c'est ça? Ouais, c'est ça. Putain, à quelque chose près, à un cheveu près, on aurait pu se croiser, joueur. Ouais, mais bon, tu sais bien que ça se fera jamais. Ah si, comme quoi toi, non mais il y a... Qu'est-ce qu'il me fait lui avec sa moto ouais. Voilà. Alors j'ai essayé de regarder. Putain merde, trop tard, je vois pas de... Il n'a pas un cul blanc ton camion des fois. Ah non. Négatif. Ah mais là c'est trop tard, je suis passé là, je suis parti là. Là je suis parti là. Ouais, non mais c'est le camion le plus loin que j'ai vu, il avait un cul blanc. Celui-là, ah j'en vois un autre là derrière lui là qui a un gyrophare au cul. Non ça doit pas être ça là, t'as dû dépasser la courbe. Un gyrophare au cul, putain il est mal celui-là ouais. Bah je préfère avoir un gyrophare au cul que la merde au cul hein. Ah oui. Enfin, ça dépend du prix hein. Ah j'y trois coups. Ah, attends, je te surmodule pas. Non, c'est bon. Alors, pour ceux qui vont écouter la vidéo, si on est sur le canal 19, c'est pas pour gêner qui que ce soit. Si quelqu'un a envie de prendre le micro, il saura nous le dire s'il a envie qu'on fasse QSY ou pas. C'est tout simplement pour montrer qu'il y a de l'activité sur le 19, contrairement à ce que pas mal de monde pense. Oui, il y a de l'activité sur le 19, il y a de l'activité sur les 40 canaux. Il suffit d'être là au bon moment, puis voilà. C'est ça le truc, être là, être sur le bon canal au bon moment. Parce que c'est vrai que, hein, tu confirmes, on peut faire des tours de galette sans entendre personne. Mais bah, tout simplement parce qu'on sera passé sur le canal en question entre deux prises de micro qui donnent l'impression qu'il n'y a personne. Et puis c'est vrai que, comme tu as remarqué, toi, Barracuda, t'en as, ils vont prendre le micro, ok, la réponse va arriver 5 minutes plus tard. Donc là, pour le coup, tu as le temps de faire 10 fois le tour des canaux avant de réaliser qu'il y a quelqu'un. Ouais. Ah, chi. Bon, ça, c'était pour la vidéo. Ah ouais, tu dis même pas la météo, quoi. Ah, je suis dégoûté. Putain, oui, t'as raison. Ah, il y a du laisser aller, là. Il y a du laisser aller. Alors la météo, beau soleil, mais frais. Voilà, il y a une petite brume à l'horizon. Quelques petits nuages épars. Demain, c'est annoncé quand même en pas mal frais. Et ben, pour le reste, on verra quand on y sera. Ok,
bon, va falloir que tu montes une paire d'antennes, parce que là, ça commence à être un petit peu difficile là, pour te sortir. Ah oui, là, ça manque, là, les doubles antennes. Hein. Va falloir que je te trouve des photos, là, que je te retaquine là, à ce niveau-là, là, que je te titille à ce niveau-là pour monter une paire de doubles antennes. Là, je commence à te perdre. C'est normal, pareil, j'ai du QRM, mais quelque chose de bien, quoi. Ouais, non, mais c'est bon, là, je vois le signal qui monte encore. Pour l'instant, ça va, quoi. Quelle indication que... j'ai pas grand-chose à te dire, là, sur l'endroit où je suis. Ça te servira pas grand-chose. Attends, voilà, tac. Non, c'est... j'aurais pas grand-chose comme indication à te donner, là, sur cette route, là, pour là où je suis, quoi. On dirait que ça passe plus. Bon, Barracudien, si tu m'entends encore, là de ton côté, j'arrive en haut de la côte avant de redescendre sur la poste. Donc là, c'est sûr qu'après, je vais plus t'entendre. Les bonnes 73-51, toi, Barracuda. Et très content de t'avoir entendu. Et bonne route jusqu'à Toulouse. Ouais, merci. Bah pour moi ça marche, il n'y a pas de problème, demain je resserre le couvert. les mêmes horaires, voilà, après ça dépendra de la circulation. Voilà, j'arrive à la sortie 3, sortie Montusson, là, avec aussitôt après de complètement dans le trou, là, le petit village La Poste. Voilà, j'arrive à te sortir un petit peu encore, donc là c'est bon. Ok, je vais te laisser les 73, bonne route. Et à la prochaine, bah, j'espère, oui, demain. T'as plutôt intérêt à être là demain. Hachez trois coups. Merci pour ce QSO. Bye bye. Ouais, bah là, ça y est. Là, c'est parti en queue de poisson. Là, je t'entends plus. Ok, merci à toi. Bye bye. Maison, bah, ton appartement gendarmerie, toi, bah, elle voit le grand luxe. Mais bon, quand elle va rentrer en école, selon la notation, pareil, sa mère interviendra pour qu'elle soit mutée dans les coins avec nous, quoi. Ça sera peut-être pas même bien, mais bon, après, s'il peut le faire, alors elle va le faire. C'est normal, mais elle attend toute sa vie, elle. C'est pareil, ça dépend des parents, comment dire, comme toi, ça dépend de Louisa, si quand les gamins te parlent mal, si elle s'en occupe ou pas. Hein. Parce que moi, je sais que quand les gamins, moi, ils parlent mal à Florine, ils prennent une trempe, hein, et t'emmerdes pas, ils la respectent. Hein. Non, bien sûr, ouais. Sinon tu t'arrêtes là, tu prends l'air 2 minutes là et on repart après. Bah zut, il y avait du monde à l'instant là. Juste avant de démarrer la vidéo. On sort les parachutes. Bon, je dis, après j'ai 2 virages 7 millions à faire. Hein, tu vois. Voilà, hein. Ah, j'ai pas de même route pour un 7 millions, mais bon. Après, donc, il faut quasiment, c'est plus près, mais il faut quasiment plus de temps pour la bravo. Ah oui, c'est vrai, oui, c'est pas cher, mais bon, exact.
Et ce sont 13.51, les stations en fréquence de la part de Dundee 33 depuis le haut du pont d'Aquitaine. Et côté circulation, là il est 6h moins quart presque, c'est tout cuiro. Surtout dans les quarts d'heure, ça sent plus drastique, on a plus de bouchons, il sera plus là, le père Rémi. Bisous à ton corps, Rémi. Les 73 à toi, comment vas-tu? Tu me crois, je suis violé fraîchement, j'ai les doigts, je sais pas pourquoi, il commence à avoir la carte, je suis. Il est parti au point, le gars de Rémi. Et là, j'attends là, voilà. Descends d'un kilo, s'il te plaît. Attends, je laissé quelqu'un parler là derrière. Voilà. Ok, ça marche. Je descends sur le 18. Attends, non, merde, c'est pas à moi que ça s'adresse. Hachis trois coups. Ouais, ben ça va, là, ben, comme hier, voilà. Je vais au même endroit, là, sur Mérignac, là, pas très loin du Buffalo Grill, dans ces coins-là, quoi. Ok, d'accord, ouais, je change un peu de secteur, quoi, pour une fois. Eh ben là, hier, aujourd'hui, demain, je suis en stage. C'est pour le stage pour le renouvellement de ma carte pro. Y'a pas de problème, je vois un solo qui parle. Ah, ça me fait chier, parce qu'en plus de ça, là, hier, j'ai appris que à chaque fois, de toute façon, à chaque renouvellement de carte pro, il faudra refaire ce même stage. Eh merde, je détestais déjà l'école étant gamin. Là maintenant à 54 ans, ça s'est pas amélioré. Hachis trois coups. Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Bon après, regarde le point positif, c'est pour moi que aussi prends longtemps, je te rappelle. Ah oui. Oui. Bon, et puis bon, ça va, ça se passe dans la bonne ambiance. C'est du tout cuiro, ça va. Hein. Mais toi aussi, je pense que ça va être pareil aussi, là, par rapport du fait que tu sois chauffeur. Tu dois avoir aussi des renouvellements de carte pro, j'imagine. Ah, ben, tous les 50, t'as le droit à l'escorte, t'as les fiches médicales, t'as. Oh, ouais, t'as parlé de chauffer l'entreprise, t'as de formation, t'as tout ça, t'as de plus en plus professionnel. Ah ouais, ben voilà, là aujourd'hui on est tous logés à la même enseigne. Ben t'as, tu m'étonnes, c'est sûr, oui. T'as, toi là, quand j'étais sur le pont d'Aquitaine, en même temps il y avait un autre cuisson là derrière. Eux ont descendu d'un kilo, hein. Voilà. Et nous pour le coup on est resté là. Ah, ça bouchonne en direction de Mérignac. Hein. T'es dans le coin toi comme c'est là, quoi. Ok, ouais, je suis en train de te perdre un peu. Voilà, je suis pratiquement rendu au lac. Les 73 à toi, bonne journée. Et bah, peut-être à ce soir, sinon à demain matin. Ok, bis sur le front également. Hachis trois coups, à plus. Ok, ciao. Allez, sur un quoi 2h30 à Thoriac. 2h30 à Thoriac, c'est bon. C'est bon, hein, pour aller à Mont, il y en a assez. Hein. Non, moi, j'ai une heure qui remonte. Ah ouais, 1h10, donc. T'es sorti par où, à la nouvelle sortie, ou t'es sorti à Bruges, là-bas, par les cons? Oh, il est pas loin. Non, je suis sorti en bas du pont d'Aquitaine. Ah, parce que tu prenais la nouvelle sortie, tu faisais droite, et t'es arrivé. Ouais, mais j'étais en train d'ouvrir, moi, quand je suis arrivé. Je suis en bas, j'attends pas, j'ai dit, ah, ouais. Il est où, poulain? Il est pas près de Cannes, ou quoi? Je sais de quoi, mais je trouve que c'est un plat qui m'a fait. T'es arrivé avec le bus, ce gars, là?
galère avec le bus, alors je le vois arriver à ma fenêtre, je dis oh putain, je sais quoi, ça qui va me casser les couilles, je merde, c'est quoi. Ah mais là, toi, allez, je vais. Bon vieux. Tu peux dans les yeux fermés, quoi. Les ralentissements, ils sont malins, ils ont tout fait pour pas que les camions aillent. Heureusement, en bête, ça va, mais celui qui va avec une tête là, normalement, tu fais pas du tout. Thank you.
Charles 2. Bon, il m'a semblé entendre gazouiller dans le lointain, là, j'ai pas mal de QRM de mon côté. Et ce sont 1351, les stations en fréquence de la part de Dindy 33, là, depuis Mérignac. Bon, ben, de mon côté, c'est pas gagné, hein. Sur le camping-car là avec l'antenne de CB, hein. Est-ce que tu es en fréquence pour Dindy 33 qui t'appelle? Attention, la belette ou Barracuda pour Dindy 33 qui vous appelle. Hop là, j'ai entendu un Roger Bip. Les 73-51 la station de la part de Dindy 33 sur la rocade de Bordeaux. Pas très loin de la sortie, et c'est la sortie quoi ça? Là, c'est pas très loin de la sortie Pauillac, c'est-à-dire le Bousca, la sortie 7 quoi, enfin bref. À la station, j'ai ça, que j'ai un peu de QRM de mon côté. J'ai entendu le Roger Bip, mais la radio non. Ouais, attention, Nico pour Dindy 33 qui t'appelle. Oui, Daniel, et le Roger Bipi marche, les bosses sont 1351 à toi. Oui, ok, bien bonsoir, bonsoir, Rémi, là. Je suis à la hauteur de la sortie 7. C'est-à-dire quasiment à la hauteur de Pigeon, là, qui est sur le bord de la rocade. Je viens d'apercevoir le totem avec la voiture jaune en haut. Hachis trois coups. Ok, d'accord. Ben voilà, oui, quand je viens d'acheter, là, une autre 47, que c'est... je viens de monter, là. Voilà, parce que quand je vois une antenne plus courte et plus souple, donc j'ai fait le voir et c'est tout ce qu'il avait, hein, donc si vous convenez. Alors, je vais Ok, alors de mon côté, c'est un Santiago 3, donc tu me dis une ML 145, acheté où? Ok, SAV Radio 33, ok, c'est dans la boîte, voilà, je suis en train de faire une petite vidéo là en même temps.
Voilà pourquoi justement je te demandais de répéter le nom du magasin, Hachi Trois Coups. Voilà, ok Rémi, bon, ok. Bon, écoute, oui, je vois que je passe d'autres essais, comme je l'ai dit. Donc, on est là, mais sur les 42 cadeaux, c'est nickel. Par contre, sur les 42 cadeaux, là, c'est nickel. Bon, par contre, j'ai un thème de TOS sur la BLU. Bon, donc, je pense que je vais quand même aller, c'est comme ça. Et après, ben, il va falloir faire de la propagation pour voir ce que ça donne. Ok, d'accord. Ouais, ben voilà, j'ai de regarder. Là, en plus, là, j'étais arrêté, là, la hauteur là, de pigeon. Donc, j'ai pu voir ça. Là, c'était, ouais, Santiago 4. Voilà, Santiago 4, là, de mon côté. Vu la distance, là, où tu es, là, là-bas, là, au niveau de Martignas, c'est quand même pas si mal que ça, quoi. Ok, donc ça veut dire au Saint-Médard, coincé entre les maisons, en plein lotissement, ouais, bah c'est quand même pas mal aussi, hein. Ok, putain, là, il me tarde de sortir de la zone parce que là, je suis en plein QRM, là. Bon, je t'ai entendu parler, j'ai globalement compris ce que tu as dit, mais bon, là, pas plus. Hachi, ah ouais, putain, la vache, là, du côté, là, dans le secteur de Pigeon, là, sur la rocade, c'est, y a une montée de QRM, là, par là. Ouais, aïe, 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 au secours. Mais bon, bref, elle fonctionne bien quand même. Donc là, c'est la, ouais, comme tu as dit tout à l'heure, c'est la ML145 de chez Président, là, que tu as, là. Ok. Et pour le poste, tu es avec lequel avec un Président ou toujours le Marc, non, vu le Roger Beep, tu es avec le 7009. Ah, on a parlé en même temps. Ouais, ok, ouais, ben tu peux, autrement dit, tu peux la raccourcir un peu, quoi, au niveau du réglage. Parce que là, tu m'as dit, si j'ai bien entendu, 1-3 sur le vin inférieur. Bon, à la limite, que tu as 1-3 sur le canal, sur le 35 inférieur, ça serait plus que suffisant, quoi. Puisque de toute façon, hein, comme tu le sais, les inférieurs, on les utilise plus. Hein. C'est les normaux et puis les sup, hein, et puis c'est tout, quoi. C'est-à-dire, ouais, en gros, entre 80 et 100 canaux, là tout au plus. Hein. C'est quoi que toi, je crois savoir que tu vas plus haut aussi un peu, là. Là, jusqu'en limite de bande, si je me trompe pas. Ouais, donc, ouais, t'as peut-être intérêt à la corriger un peu de façon à ce qu'elle soit plus efficace vers le haut, quoi.
Ok, pas de problème. En plus, là, je suis en train de sortir du stage. Ah, chier, j'ai encore demain à faire, pareil. Demain, je sais pas à quelle heure je sortirai, peut-être un peu plus tôt qu'aujourd'hui. Du moins, je croise les doigts, oui, ah, chier. Ok, Daniel, les bosses sont 1351 à toi, 212 QRA, à la prochaine. Ok, Rémi, bonne route, rentre bien. Merci, bye bye. Ah non, c'est que j'ai cru que j'avais un souci, mais non, ça a été une baisse brutale de QRM. Comme quand on se fait surprendre des fois. Je ne sais pas si on voit bien, mais là il y a deux caméras, là, deux radars là, sur le portique là à gauche. Eh bien, il y en a qui ont réussi à les peindre. Il y en a une qui est peinte en noir, l'autre qui est peinte en orange. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils ont réussi à le faire. Et 73-51, les stations fréquences de la part de Dindy 33 depuis le haut du pont d'Aquitaine. Et côté circulation sous le pont, c'est chargé, mais c'est quand même cuiro. Et bonne 113 à vous et bonne fin de journée. Il y aurait été de quelqu'un en fréquence sur le canal 29? Eh ben non. Ouais, mais tu manges bien au moins. Et franchement, ouais, carrément, ouais. Moi, juste au besoin, je suis trop démon et pas rien par la maison. J'en ai mercredi, oh putain. Et puis les filles sont sympas, il y en a une, je dis c'est un craqué quoi. Et sinon tout ce qui est douche et tout, c'est propre, c'est tout. Bah tu vois, mais moi je serai pour la prochaine fois. C'est le cas parce qu'elle est là, ouais, vas-y. Ouais bah non, j'irai pas ce soir. Bah non, non, non. Je sais pas si je vais pas faire un détour par Étolier. Ça me trotte dans la tête pourtant. T'as le droit, hein. Ben ouais, j'ai pas été chercher mes étrennes en plus. Bon, c'est quoi tes étrennes là-bas? Ouais ben chaque fois que j'y vais, moi, c'est une bouteille de Bordeaux. D'accord. Ah ben, tous ceux qui connaissent bien, tous les ans, c'est ça, hein. Les étrennes, une bouteille de Bordeaux.
Ouais, mais toi tu fais encore des trucs pour lui, toi. Non, mais quand je roulais chez Pino, on était souvent là-bas. Ouais, mais avec les odeurs qu'il y a de cette entreprise, c'est pas top. Je sais pas ce qu'ils fabriquent juste là, c'est une distillerie, d'accord. Bah ouais, à gauche c'est du marc de raisin. Bah oui, oui, ça sent le vinaigre, oui, ça, je suis bien. Oui. T'as vu le châssis de la vieille, non? Tu l'as vu? Ah non. Et un châssis tubulaire, là, une vieille genre de portée, là. Allemand, là, le petit garage, là, il se fait pas de ligne, t'as l'impression qu'il n'y a rien, et à chaque fois, il y a des caisses là-dedans. Mais... Ah ouais, d'accord.
Enfin, c'est un provisoire. De toute façon, vu les prestiges qu'ils font en Italie, je vois pas qu'est-ce qu'ils s'emmerdent à faire ça aux herbiers. On passe nulle part. Il vient de faire chier les gens, quoi. Ouais, oui. Mais encore, il a frais à Saint-Gilles d'avoir pu l'emmener au port directement. Bah oui, oui, en mise à l'eau, mais ça leur coûterait trop de rond parce que le mec, il serait pas content d'avoir une Prestige qui a déjà des heures de vol alors qu'elle sort de l'usine. Bah oui, mais tu sais, tout ce que tu défends à Calais, c'est bien pareil, hein. Bah ça dépend où ça va, c'est toujours pareil, quoi. Ça fait chier si tu la laissant à Port-Saint-Louis-du-Rhône puis qu'elle va dans le Var, mais elle arrive, elle a quoi? Elle a une heure de botte, quoi. Ouais, mais tout ce qui descend sur l'Afrique, par là-bas. Après, si c'est un voilier, ouais, je sais pas. Je sais pas. Non, parce que l'Afrique, des fois, ils prennent en container et ils font partir de La Rochelle. Salut, salut. Salut. Comment vous comme ça? Très juste. Waouh! Bon courage! Bah oui, je suis dans la gueule. Panne d'hydraulique pendant 4 heures, plus une panne de voiture pilote. Mais j'y serai, je passerai même pas tout ce soir. Ah non, ça va le passer demain après midi 2, non? C'est pas comment? Bah, moi c'est négatif, hein. Normalement c'est 21h, donc je passerai 10h30, donc ça sera demain 10h30, c'est tout. Bah ça sert à rien de descendre plus bas là, je sais pas où tu vas. T'es au courant qu'il y a des travaux à la Bardac? Comment? Logiquement les mobilhomes, ça fait le sérieux, il les fait tous passer par roche, hein. Putain, enculé. Quoi? T'es pas au courant? Ah non, moi je viens reprendre 2 mois de vacances là, et personne te dit rien. Je sais pas, écoute, nous on est passé à Casteljaloux parce que c'est ouvert, mais logiquement ils les envoient parce que Casteljaloux est en travaux, mais là c'est ouvert, tu peux repasser. Mais les mobilhommes ils passent tous par Roche, quoi. Miche de Pont est passé par Roche, je pense que. Bah ils doivent passer par Roche. Ah bah je suis pas au courant, je vais effectivement pas les couilles. Monsieur, tu veux, je t'ai rien dit. Je joue au con, je joue au con. Monsieur Benoît, toi. Là, ça sert à rien de descendre plus bas, ça me regarde pas, mais... Tu penses que Toulouse, demain soir... Alors, c'est qu'il veut avoir des heures pour rouler au maximum, quoi. Impossible. Un peu, mais peut-être que t'as oublié les choses.
peut y aller pour manger. Par
C'est bon, il va pouvoir boxer un peu plus là-bas et puis il va encore casser du gendarme la prochaine fois. Il aura pris de la haine et puis voilà quoi. Ouais, tant pis, putain, qu'il sera en prison, il quitte son appartement ou sa maison, ou ça il va s'exploiter, et puis il ressortira, ouais. Et puis on paiera pour le temps qu'il est en prison. Tout sera nourri le soir en plus, hein, c'est calme. N'importe quoi, ça va lui casser les couilles et se capiller, c'est tout. Ah, tu vois, les conneries, ça arrive. Il a
fait quai de Brazza, quoi. Donc il a fait demi-tour au champ là-bas. Oui, après demi-tour avant, c'est un peu compliqué. Mais ouais, c'est pour ça que des fois, ça aide le GPS. C'est le bon, là. Tu le temps là, bâtard là, putain, ah ben, on a un klaxon. Et ça, c'est qui me casse les couilles là? Bah, c'est le coin, c'est pas ça te break, c'est pas quoi là? Grise. Non, 308 noir. Je sais pas, c'est une brique grise là, il vient à gauche, mais tu le temps et. Après, il me coupe le nez là. Et 73-51, les stations en fréquence de la part de Dindy 33 depuis le haut du pont d'Aquitaine. Et côté circulation, c'est en moins de quart, ça commence à se charger un peu plus. Mais ça roule encore, bonne journée à tous. La 73-51, Kenji, de Spitfire. Dindy 33, Hachi, tu vas pas y arriver. Ok, Spitfire, les 73-51 de Dindy 33 et non pas Kenji, Hachi, trois coups. Voilà, je suis dans la descente là, du pont d'Aquitaine. Voilà, là je m'en vais, là, je suis en stage en ce moment. Là, là je m'en vais là, pour la dernière journée, ben, là, ben, comme hier, comme avant-hier, sur Mérignac. C'est pas grave, bonne journée à toi. Attention la belette ou Barracuda 56 pour Dandy 33 qui t'appelle, qui vous appelle. C'est pas Kenji, c'est Dandy 33. Hachi, tu vas pas y arriver, toi. C'est pas grave, ça sera comme tu voudras. Hachi. Ouais, pour Dandy 33, là, j'arrive en bas du pont d'Aquitaine. Attention Nico pour Dandy 33 qui t'appelle. Attention la pelette pour Dandy 33 qui t'appelle. Attention Centaure pour Dandy 33 qui t'appelle. Attention la belette pour Dandy 33 qui t'appelle. Du monde sur 19. Il y a du monde. Ouais, c'est pas pote. C'est bon ça.
Attention, Nico pour Dandy 33 qui t'appelle. Ah, ça, j'ai reconnu. Ok, c'est le fils à Nico. Bien le bonjour. Ouais, c'est ça, c'est Nico, ouais, 70, on est encore un peu loin là, on est encore sur Léonie. Tranquille, voilà, je sais pas, c'est Ok, bah de mon côté c'est pareil, hein, c'est pas évident, c'est très petit aussi. En plus de ça, là j'avais un peu de QRN de mon côté, et ben là je suis sur Mérignac. Là je viens de passer là du côté des ronds-points de Dassault, là, de ce côté-là. Quoi. Là je sors de stage. Hachi! Ah ben là ce coup-ci ça a été totalement inaudible là. Là j'ai juste, je t'ai entendu gazouiller par moment. Ce que tu as dit, ça devait être certainement très intéressant. Hachi trois coups. Mais c'est surtout le Roger Bip à la fin là que j'ai pu entendre qui m'a pas envie de savoir quand tu lâchais le micro. Ah, j'ai cru entendre Centaure derrière, les 73 Centaure, si j'ai bien entendu. Ah putain, j'ai tellement de QRM que j'ai du mal à savoir qui est qui. Là, là c'est pas évident, là je suis au niveau des ronds-points, là, pas loin de la rocade, la route de Martignas. Ok Filou, il n'y a pas de problème, là ce coup-ci t'es bien passé, les 73 à toi. Bonne radio et bonne ligne de câble. Eh bien, vu que je roule pas avec mes lunettes de casse, de presse, enfin bon bref, tu m'as compris sur le nez, je crois que ça doit être pareil aussi, hein. Je crois que ça doit être au niveau de Santiago 4, 5, dans ces eaux-là il me semble. Oui, à moitié abruti, mais là ça va. Hachi, je dis ça parce que là je sors de 3 jours là, de formation. Voilà, donc comme ça. Ah, c'était pour le. Maintenant, là, pour ceux qui ont des cartes pro, il y a forcément un stage à faire avant pour pouvoir la renouveler. Ouais, super. Enfin bon, bref, c'est le passage obligé. De toute façon, c'est comme ça et pas autrement. Hachi! Voilà, puis en plus, là maintenant, pour ceux qui ont des cartes pro, ben, tous les 5 ans, ben, faudra en passer par là. Voilà. Marc, le beau côté, c'est que ben, pour le coup, là sur ces 3 jours, j'ai droit au restaurant gratuit le midi. Ça, c'est le truc que j'ai le mieux retenu, ça, ben, tu vois, là, durant la formation. Hachi! Oui, ça va, à plus de bon temps. Voilà, mais c'est bon, ça va, c'est une formation sans examen à la fin, donc c'est bon. Là, t'es là, tu participes, ok, d'accord, patin, couffin, ceci, cela, anecdote, pour, bon ben voilà, au bout du compte, voilà, il te file ton papier, et puis à envoyer pour renouveler la carte pro, et puis c'est bon, quoi. Voilà, en gros, là, comment ça se passe, quoi, donc ça va, ça reste sympa et pas contraignant, quoi. Putain, là, je suis de retour, là, dans les QRM. Je suis entre les ronds-points, là, de la route de Martignas et la rocade. Là, quoi, là, sur le petit bout de route, là, qui est entre les deux. C'est bourré de QRM de ce côté-là. Alors, bon, vu qu'il y a une petite côte, là, je pense que ça devrait se dégager. Du moins, j'espère, là, en arrivant là, vers les feux, là, presque en surplomb de la rocade. Là, je pense que ça devrait le faire. Là, peut-être, voyez un petit peu maintenant ce que ça donne. Ok, c'est bon. Voilà, les QRM sont descendus. C'est nickel, c'est tout propre. T'as réussi à régler ton antenne ? Ah ben, moi, j'ai pas de problème d'antenne. Pourquoi ? Attends, rafraîchis-moi la mémoire. Et quand c'est vu hier, c'est en train de régler ton antenne. Attention, je te fais un peu de
Oui, la station pour laisser radio. Ben là, je suis au niveau de la sortie 10, c'est-à-dire la route de Martignas, un truc comme ça. Là, au niveau de la rocade. Là, j'ai bientôt attrapé la rocade et ça passe bien de mon côté. Filou, non, pour moi, j'ai pas de souci d'antenne du tout. Hein. Là, tu dois confondre avec quelqu'un d'autre. Hein. Et puis en plus, vu que là, j'étais coincé en stage en journée, j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit d'autre que l'aller-retour au QRA, car là, je suis pas rentré de suite. Hein. Là, je serais pas rentré au QRA avec la circulation et tout qu'il y a, pas avant, dans au moins bien une heure et demie de là. Alors, Filou, il y a une autre station là derrière qui a demandé à un essai radio. Là, de mon côté, c'est bien passé en tout cas. Station pour laisser radio, vas-y. Quel rôle pour laisser radio la station? Ok, j'ai entendu, toi tu arrives par contre clarinette. Et ben voilà, une bonne chose. Speedfire, les 73 à toi de Rémi, d'Andy 33, voilà, on s'est parlé ce matin, quand je descendais le pont d'Aquitaine, et nous voilà de retour maintenant, là, pour ma part, à la sortie de mon stage, Hachi, voilà, là je suis sur Mérignac, là, en ce moment, là, je vais pas tarder à attraper la rocade. Ok Philippe, re 73 retourné. Mais il fait beau aujourd'hui là, putain, je suis étonné. On se caillait là ces derniers jours. Et quand on se caillait pas, c'était de la flotte. Et là, beau soleil, je croirais en été. Pour le coup, j'ai tout quitté, blouson, pull vert. Non, je suis quand même pas à poil. Là, je suis quand même me prendre un PV, mais hachi. Mais c'est vrai que là, on se croit au printemps là pour le coup. Ah oui, Nico, il y a du monde, hein. Bien sûr qu'il y a du monde, il suffit de prendre le micro pour que ça y est, là, tout le monde prenne le micro. Tu vois, Nico, ce qu'on discute à chaque fois, là, sur Internet, hein, à chaque fois, je dis comme ça, si tout le monde reste en écoute, ça fait beaucoup moins de bavards. Eh bien là, tu vois, tu as la preuve, on prend le micro, tout le monde arrive, voilà. Mais bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de monde qui a du mal à comprendre ça. Ils sont persuadés que pour que eux... Attends, j'ai les pompiers qui sont en train de passer, voilà. La plupart des gens sont persuadés que pour qu'ils prennent le micro, il faut d'abord qu'il y ait du monde en fréquence. Sauf que ben, si personne prend le micro, eh ben, ça fait personne qu'on entend en fréquence. Forcément, logique. Ah, il y a eu un accident apparemment. Ah ben, tu vois, je disais tout à l'heure que je ne serais pas rentré avant bien dans une heure et demie de ça. Mais je crois que là, je suis parti pour passer peut-être le restant d'après-midi et la soirée avec ici. Ouais. Je le sens bien le coup. Ok, ben là j'aperçois un plus là sur les. Là, je rigole pour ce que tu as dit là. Ben c'est normal, hein, la CB c'est fait pour prendre des micros, hein, voilà, hein, tout simplement, il n'y a pas de secret. Hein. C'est pas un autoradio qu'on écoute simplement. Hachi. Alors qu'est-ce que je vois sur les panneaux lumineux? Accident à 4 km, soyez prudents. Alors là je suis du côté de Mérignac. Là où il y a le concessionnaire, il y a quoi? Il y a Smart, Suzuki, un truc comme ça. Et le panneau 4 km est à partir de là. Ah, ok. Et il y a des autres stations là, je laisse un petit blanc là, si quelqu'un veut parler avec nous là. Oui, affirmatif, il y a Spitfire, il y a Filou, plus une autre station qui a demandé là, un essai radio là, que j'ai complètement perdu là, de mon côté. Je sais pas, allez tiens, en avant Filou.
J'entends plus Fidou. Ouais, Spitfire, t'es toujours là? Ah ben y a plus personne, y a plus personne. Ouais, Dandy, je vais être obligé de te laisser là. Je vais faire une petite course et puis je reviens dans 5 minutes. Alors, on sait jamais si t'es par là. Je leur ferai quelques appels. Je t'envoie les amitiés et puis la bonne soirée si on se recopie pas. Alors là, t'es moqueur, là. Là, t'es moqueur, hein. Hachi, avec le panneau accident de signaler. Là, je suis même en première, j'arrive à rouler trop vite. Donc oui, dans 5 minutes, je serai encore dans le coin, là. Il n'y a pas de problème. Ok, ça marche. À tout à l'heure. Ok, à toutes. Ok. Attention. Attention Dandy 33. Bah attention Dandy 33, t'es là? Bah attention Dandy 33, t'es en fréquence? Oui, la station pour l'essai radio. Voilà, de la part de Dandy 33, là, sur la rocade, la hauteur de Mérignac, ça fonctionne. Bon, j'imagine que tu dois avoir pas mal de QRM de ton côté, pas mal de parasites, j'imagine, de ton côté, la station. C'est peut-être pour ça que tu n'arrives pas à m'entendre. Voilà, je suis au niveau des stations totales à Mérignac. Bon, je crois que ce coup-ci, c'est moi qui n'arrive plus à t'entendre, là, pour le coup. Bon, attention à la station pour laisser radio, ça marche, il n'y a pas de problème, si tu m'entends encore. Bon, j'ai entendu le Roger bip, mais là, c'était très QRP, là, de mon côté, là. Là, t'as... soit c'est moi qui me suis éloigné ou toi, mais là, c'est vrai que là, c'était assez short là, pour te sortir. Enfin, pour entendre le Roger Beep, déjà, au moins ça. Bonjour, monsieur Lester. Hop là. Bonjour, la station. Pour m'appeler comme ça, c'est que tu dois pas être loin. Ouais, tu viens de me passer, là, 1000 pattes vert avec une semi-rouge. Oui, affirmatif, les 73 à toi, de la part de Dandy 33, voilà. Congé, prudence. Oh oui, surtout que maintenant j'ai le temps, je rentre chez moi, tranquillement. C'est... Donc là, il n'y a plus rien qui presse pour ma part. Ben, ça vous joue jusqu'à l'autre côté du pont d'Aquitaine, avant, après, là, toi qui connais. Alors, d'après le panneau que j'ai vu tout à l'heure, là, quand j'étais à la hauteur là, de Smart, là, un truc comme ça, là sur Mérignac, il y avait un panneau qui indiquait accident dans 4 km. Vu l'heure, de toute façon, là, oui, à mon avis, c'est jusqu'à sur le pont d'Aquitaine que ça doit être bouché. Hein. Allez, au dur. On verra, on va prendre ce mal en patience. Hop là, il y a quelqu'un qui est en train de parler derrière. Toi là, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Voilà, j'ai entendu quelqu'un demander à quelqu'un d'autre de faire QSY sur le 20 en USB. Alors je ne sais pas à qui ça s'était adressé. Ok, ben ouais, voilà, il ne reste plus que ça à faire. Hein. Prendre son mal en patience. Et puis voilà. Hein. De toute façon, là, comme j'ai tout à l'heure, là maintenant, pour ma part, j'ai le temps, puisque je rentre chez moi. Il n'y a rien qui presse. Et puis voilà quoi. Demain, pour ce qui me concerne, je serai en repos. Donc tout va bien. Pourquoi j'irai m'affoler?
Le 20 en USB, ça se trouve, c'était à moi que c'était adressé. Tiens, je vais aller voir. Oui, Nico, est-ce que des fois c'était à moi que c'est toi qui me disais le 20 en USB ou je me trompe? Ouais, d'accord, n'importe quoi. Attention, Nico, est-ce que tu es là? Attention, Nico. Attention, Nico, pour Dandy 33 qui t'appelle. Bon, ben, c'est pas grave, j'ai eu de toute façon tout à l'heure, je l'aurai une prochaine fois. Bon, on dirait que ça s'est dégagé un petit peu, là, ça a l'air de vouloir rouler maintenant, là. Ouais, ben, c'est bon, il reste plus qu'à passer ben, le cap du pont d'Aquitaine, où de toute façon, là, vu l'heure, ouais, 17h30, c'est... Ah ben, le bon côté, c'est que de toute façon, avec le bouchon, on a le temps d'apprécier le paysage. Voilà ce qu'il faut se dire. Attention, Nico, pour Dandy 33 qui t'appelle. Ouais, Dandy, si tu m'entends, passe le canal 20. Le canal 20 est au lieu. Ok, ça marche, c'est parti. Ok, voilà, je suis là. Ah, c'est sûr que là, ça va passer de suite beaucoup mieux, là. Ah, ça va peut-être être plus confortable pour t'entendre, là, parce qu'on est un peu loin de l'autre, là. Tu m'entends bien, toi? Ah oui, affirmatif. En plus de ça, là, j'ai la vidéo, là, qui tourne. Alors là, tu vas rigoler, puisque... Alors, avant-hier, j'ai fait quoi? 55 minutes de vidéo. Hier, j'ai eu moins de monde, j'en ai fait 1h05 de vidéo à Chi, et là aujourd'hui, ben, c'est bien parti. Et je voudrais faire une vidéo groupée là, des 3 jours, mais assez courte. Je pense que quelque part ça va coincer, il va falloir que je fasse du tri sélectif dans tout ça, quoi. À Chi. Tu me fais, tu viens de me faire penser à un truc. Il va peut-être falloir que je m'arrête quelque part. Bon ouais, ben, je verrai ça là du côté de chez moi. J'irai faire un petit tour là pour acheter un bouquet de fleurs, quelque chose dans le genre. C'est vrai que c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Il va pas falloir l'oublier. Ah bah, hey, je dis ça, mais je vois le prof là qu'on a eu là durant ces 3 jours de stage hier. Bon, en déconnant, il nous engueule pour nous dire qu'on a complètement oublié de lui rappeler que c'était l'anniversaire de sa femme. Aïe, aïe, il s'est fait, comme qui dirait, taper sur les doigts. Alors aujourd'hui, c'est à Saint-Valentin, je te garantis qu'on ne l'a pas raté, là, pour le coup. Hein. Ah oui, c'est sûr, pour les anniversaires, ouais, c'est sûr. Ah, c'est petit curseté qui est en train de revenir à part de ville. Ouah! C'est dans la boîte. Oui, j'ai entendu le bruit derrière. Il y a eu comme un raz de marée. Je suis désolé, je vais être obligé de QRT. Il y a un petit vomi dans la voiture. Je te dis à plus tard. Désolé, ça. Ah, c'est génial, c'est ça les aléas du direct, c'est trop bon, quoi. C'est dans la boîte. Ok, pas de problème, Nico, ça fera la petite anecdote là, de la vidéo. Ok, les bonnes 13-51 à toi, 212 QRA, puis surtout n'oublie pas ta femme ce soir, enfin tout à l'heure, pour la Saint-Valentin. Amuse-toi bien, bye bye.
Bon ben voilà, le mille pattes rouges, je suis en train d'arriver là, la sortie 5. Bon, ça ralentit à nouveau à partir de là, quoi. Avant ça, c'était bon. Là, maintenant, à partir de la sortie 5, là, ça recommence là, à merdoyer. Ce qui me fait plaisir, c'est que dans l'autre sens, eh bien, c'est bien bouché. Donc, on n'est pas tout seul. Parle peu, c'est pas grave. Ce sont 13.51 les stations fréquence de la part de Dindy 33 depuis le haut du pont d'Aquitaine. Et côté circulation, ben sur le pont, c'est pas mal chargé, mais c'est tout cuiro. Par contre, sur la rocade, ça merdoie à bloc. Bonne fin de journée à tous. Ok, il y a plusieurs stations là qui ont répondu en même temps. Les bonnes sont 13.51, retournez, il n'y a pas de problème et bonne route à vous. Ah, ça a été un petit peu la cacophonie là sur le coup, mais c'est pas grave, tout le monde est passé quand même. Ah chi, je devrais m'arrêter sur le pont d'Aquitaine, planter une antenne là en haut du pont, et là ça serait pas mal sympa là pour faire des QSO. Direction Paris, ça a l'air d'être un petit peu pas mal, beaucoup merdique.
Ouais. Ouais, ouais. Là, quand on remonte la direction nord, ça a l'air de pas mal boucher. Ah, j'ai entendu quelqu'un parler dans le lointain, mais là c'est trop petit là, de mon côté. Là, je suis là, sur la voie rapide, là, à la hauteur de l'Ormont, là, entre les immeubles. Et, bon, en tout cas, de ce côté-ci, là, par contre, c'est ça merdoie aussi. Hein, c'est pas mal chargé. Hein. Bon, direction de Paris, ça a l'air d'être bon, ça a l'air d'être cuiron. Ouais, c'est juste là au niveau de l'Ormont là que ça bouchonne un petit peu, et puis après là c'est bon, ça roule correctement là pour ceux qui montent vers Paris. Attention, Barracuda 56 pour Dandy 33 qui t'appelle. Alors ceux qui veulent prendre la rocade qui arrive du pont d'Aquitaine, qui veulent prendre la rocade rive droite, c'est une très mauvaise idée. Ça bouchonne plein pot, ça roule quand même, mais ça bouchonne bien comme il faut. CQ DX, appel de 14 km 3301, opérateur Rémi, en mobile Sud-Est France, QTH Libourne. C'est un 1351, le 4x4 que j'ai croisé là, avec l'antenne de poser sur le capot de la part de Dandy 33. On vient de se croiser là à l'instant là.